Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Geek Worlds. Je suis Scar et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de Star Wars Jedi Knight Jedi Academy. Alors, la dernière fois on avait commencé le jeu, on avait commencé en prenant un Keldor, on avait fait l'histoire de Jaden Kor, le Keldor. C'est marrant parce que ça rime. Et donc on s'était retrouvé sur Yavin 4 où on avait commencé notre parcours de Jedi. Le seul Jedi qui a réussi à construire un sabre laser sans avoir aucun entraînement. En force, nulle part. Donc, du coup, on a continué notre entraînement sur Yavin 4, on s'est rendu compte qu'il y avait des trucs bizarres qui se passaient, et depuis, on a été accepté en tant que Padawan sous la tutelle de Cal Katarn, et on a été envoyé sur Tatooine pour régler un petit problème de mercenaires qu'on a réglé en butant tout le monde. Et maintenant, je ne sais plus du tout sur quelle planète on est, mais on est sur une autre planète, et de toute façon, on va s'y retrouver très très vite. Where are you, Kyle? I've been waiting here forever. Well, I can't wait around. I've got to do something. Ok, donc on se retrouve sur la planète Bakura, voilà, c'est le nom de la planète, je ne me souviens plus du tout, et j'ai raccordé ce qu'on avait fait la dernière fois, c'est-à-dire que j'avais terminé l'épisode de la dernière fois en filmant l'arrivée sur Bakura. Donc ce que vous avez vu, c'était la fin de l'épisode d'avant que j'avais pas mis du coup. Donc on est sur Bakura, Cal Katarn aurait déjà dû arriver mais n'est pas là. Et donc, lune. Nous, en tête brûlée que nous sommes, nous décidons de continuer notre chemin tout seul. Il y a un sabre. À ce moment-là, moi, tu vois, là, je fais non. Je me barre en fait. Enfin, je reste pas là tout seul comme ça. Enfin, on a encore un Padawan, on est et un deuxième cadavre. On a encore un Padawan, on n'est pas un maître Jedi quoi que ce soit. Donc, je pense que notre petit Jaden Kor, il va falloir qu'il se calme un peu là. Et deux, trois cadavres. Bon, on va se demander à appuyer sur notre sabre laser. Il y a rien là. Quelque chose ici. Non, il n'y a rien. Ouais, alors je sais pas pourquoi je sens la salle de boss ou de combat. The charges are set, sir. Good. The Republic is getting complacent. They underestimate us. This will remind them what happens to traitors. They're going to blow the whole installation. I have to stop that countdown. We have an intruder. Take positions. Ready. Les uns après les autres. Ouh là, ils sont la volée, les gars. Ok. No wonder I was supposed to wait for the crowd. It's the Empire. Adoré comment ces mecs disent. Ne bougez plus et littéralement n'ont rien fait pour m'empêcher de les couper en deux. C'est bien passé. Non. Va falloir bosser sur votre stealth, les gars, parce qu'on vous voit en fait. Sais pas ce qui s'est passé là, mais t'es parti en couille là. Ok, alors on continue. Problématique cette chose. Alors attends, je peux passer de manière. Voilà. Je te vois. Oh, comment il a survécu à un. Quel mec qui survit à ça, pas de soucis. Non, je peux pas prendre ça, d'accord. C'est quoi ça? C'est rien. Ok, bah, alors notre mission elle est. Elle est toute bonne, hein, faut juste. Faut juste. Bah voilà. Avancer, massacrer tous les impériaux, sauver la station, sauver la République. Enfin, la Nouvelle République. Wouh!
suis pas passé loin. Non. Ouh, dans le bide. Ça n'a pas dû lui faire du bien. Quoi, je vais tenter un truc, attends. On va esquiver mon détonateur thermique. Hop, okay, hop. Comme ça. Non, non, non. Oula, 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 oula. Oh. Ouch. Bon, ça s'est pas passé comme je voulais. Ok, bon, ça c'est fait. Oh, mais putain, mais cette physique de merde. Bon, je dois viser un peu au-dessus de ce que c'est. Ok, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on met? C'était une idée de merde, voilà, je l'admets volontiers. Bonjour, je crois. Hop, bonjour, je crois. Hop. Hop. Ok, 4 more to go. Oh putain, il y en a 4 autres. Ah, bon. Quelqu'un me parle? Oh oui, il y a toi. Ok, j'arrête de bouger. Oh, il me demandait gentiment. J'arrête de bouger. Hop, un chemin, c'est pas rare. Pourquoi c'est pas ici? Ah bah si. Non. Oh, pour l'instant ça se passe hein. Pour les impériaux ils font pas beaucoup de dégâts. Et j'ai probablement jinx le truc en parlant. Bon, par contre total skill. Je sais pas pourquoi j'ai besoin de ça. Damn. What we have you now. Surrender or die. Oh le délire! Oh mon dieu! Oh ce champion! Oh ce mec! Il a juste tiré sur son centre pourtant en premier! Oh mon dieu! Oh j'aime cet homme! Allons-y! Yep. Try and get me, try and get me, try and get me! Gotcha! Ok, alors avant de faire quoi que ce soit, on va retenter notre tactique. C'est pas vrai. Ça prend bien 20 ans à exploser. Voilà, bah finalement ça marche. Faut juste que tous les trucs soient au même niveau quoi. Easy peasy lemon squeezy. Absolument aucune idée de ce que je dois faire avec ce truc. De faire quoi que ce soit. Ah, on a fait un 360. C'est quoi, on va partir par là. Ah, ça c'est le truc qui m'arrive tellement souvent, c'est que je sais pas pourquoi j'ai l'habitude quand je joue à un jeu de me mettre le plus au bord possible des chemins. Ce qui fait que 9 fois sur 10, je me retrouve à tomber comme un con. Ouais. Bombe là-bas.
J'aimerais que ça le touche. Ça aurait été marrant. Three more. Trois autres. Heureusement qu'on n'a pas un compteur, hein, parce que... Imagine s'il y avait un décompte en plus, ça aurait fait notre référence. Oula. Ça, c'est un autre truc. C'est quoi le principe là, des personnes qui restent à côté de bombes qui vont exploser dans pas longtemps? Non mais vraiment, je comprends pas le principe là. C'est vous voulez mourir avec, c'est un attentat suicide, pas de comment. Il y en a deux là. Quoi? Voilà. Ah, je peux pas tomber dessus. Et le truc m'a dit non, ok. Bah, j'ai déjà désarmé celle-là. J'étais où tout à l'heure quand j'ai monté l'autre? La sensation est gigantesque. Mais dis-toi que tu t'es fait mal. Cette petite nature, je te jure. De quoi 5 mètres? Même pas, hein. 3 mètres ce truc. Si on considère que lui fait peut-être aller, alors on va dire qu'il fait 1m80. Est-ce que 3 quel. Allez, ça va peut-être faire 3 mètres. Sérieusement, la question de comment on peut combler mon personnage. Putain, mais je trouve pas les bombes, c'est pas vrai. Ah. A few moments later. Ah, j'avais pas vu ce truc. J'ai dû gueuler dans les commentaires que c'était sous mon pif. Ah. Ok. Bon, après cette attaque surprise. Ah, merci. Après cette attaque surprise, je disais. Ah. J'ai encore envie. Hein? Mec. Ah, ok, voilà, on va pas sauter, ça sent une vie de merde. Il te faut combien de putains de tirs dans la gueule? Voilà, putain. C'est l'échange de tirs le plus long de tous les temps, quoi. Just two more left. Okay. On n'a pas visité par là, on sait jamais. On ne sait jamais. Non, y'a rien. Ici, y'a rien. Ils peuvent cacher des trucs parfois, des petits bonus sympathiques. J'ai vu qu'il y avait quelque chose là, ouais, un medipack. Ça sert à rien que je le prenne, j'ai vu le live déjà. Y'a rien que je peux toucher ici, non. Arf, comment qu'on appelle le. Ok. Ferme. Monte. Je suis pas très patient avec tout ce qui est ascenseur et trucs comme ça dans les jeux vidéo. Ça me casse très rapidement les couilles. Tellement lent. Ah, allez. Comment ça va en bas, j'avais plus vu. Ok, donc on a fait cette porte. Comme disait Obi-Wan. You don't need to see his identification. We don't need to see his identification. Réfléchissons.
Et là, on l'avait dit déjà. Et ça nous mène ici. D'accord. Il y a absolument que Pouic, d'accord. Donc on va être de l'autre côté. Donc on doit aller probablement faire tout le tour et trouver une issue semblable. 6 months later. Ok. Ça c'est fait. You're under arrest. Ça c'est dégueulasse, mais sinon ok. Ah voilà. Et hop. Only one more. Quoi encore un? Oh. One eternity later. Alors, j'aime beaucoup hein, ce genre de gameplay. Mais quand t'arrives pas à trouver parce que. Parce que le machin est gigantesque, que tous les endroits se ressemblent, ça devient chiant très très vite. Et là, je me fais chier. Non! Ah! En fait, je suis fatigué, je suis un peu exécrable, je dois avouer. J'essaye de ne pas me laisser influencer par ma journée de merde dans mon let's play. Il faut avouer que ça va pas être super simple. Ah, il y a des gens là. Il y a des gens qui sont con. Et là, on dirait que c'est pas l'endroit que j'explore. Oh, 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 hein? Il peut arriver dans un clip tag, sérieux. Je peux plus apprendre pour tout le monde. Oui. Hop. Non, mais c'est pas vrai, il y a forcément quelque chose ici. Il doit pas foutre une pour rien. Non, mais ils ont. J'ai l'impression qu'ils ont foutu tout ça pour rien. Pourquoi il ressort tous là? Oh putain, le mec il a volé. Du jour. Hein. Moi, ma... Le truc qui généralement marche plutôt bien dans les jeux vidéo, c'est... Si les ennemis repop... Enfin, si les ennemis repop, si les... S'il y a des ennemis qui partent, c'est sur le bon chemin. Généralement, c'est ça. Hein. Et les développeurs, ils vont pas te foutre... Ils vont pas te foutre des... Ah bah oui, c'est pas bon. Hein. Ah, c'est ça, c'est en gros si vous voulez, c'est un moyen très simple de vous trouver si jamais vous paumez. Un moyen très simple de trouver si jamais vous paumez. Les développeurs ne font jamais mettre des ennemis à des endroits où vous battrez pas. Parce que c'est du codage en plus, que ça sert à rien, enfin bref, voilà, c'est du temps absolu. That does it. Tant better get back to my ship. Donc si vous vous trouvez sur des endroits où bah il y a des ennemis, 95% du temps vous allez être sur le bon chemin. Souvent vous tombez sur de l'ennemi random, du mob random, et ça existe hein. Ça existe.
Un peu déconcentré, je dois avouer. Il y avait un médicament dans mon coin, je crois qu'il y a un médicament en bas. Peut-être qu'on avait les étudiants. Il a survécu à ça. Ouais, il y a un attack. Ça fait de la vie en plus. On retourne sur notre vaisseau, alors c'est parti. On retourne sur notre vaisseau. Je crois que les mobs que j'ai tués à la sortie devaient être les mobs qui devaient m'accueillir quand j'avais fini avec l'intégralité de ce complexe. Sauf que bah, j'avais fini avant. J'avais pas fini avant, justement. Je me suis barré avant d'avoir fini. Alors, je crois que je pars dans le mauvais sens. L'endroit de la catastrophe absolue. Est-ce que c'est un medipack? Il n'y a pas un medipack. Est-ce qu'il y a un medipack? Non, il n'y a pas de medipack. Est-ce que vous avez de la vie quelque part? T'as 22 secondes, pas une heure pour... Ok. Voilà, ok. T'as investi dans les pouvoirs de force, autant les utiliser. Pas juste attendre votre fin de tour. Il me les briser constamment. Je trouve ça curieux qu'il n'y ait pas de site. J'ai attendu ce qu'il fout un site. Regardez le sabre allumé jusqu'au cœur. Bon. Ouais, c'est bizarre, hein, pas de titre. Ok. Sorry, I never made it to Bakura. You seem to handle yourself okay, though. I have some troubling news. While Kyle and I attended to the crash shuttle, someone broke into my quarters and sliced into my records. R2 is trying to figure out what they may be looking for. Okie day. So, how's your training going? I've been sent on a few errands, nothing exciting. Same here. I guess that's just how the training works. I thought it was just me. Ever wonder if your master is holding you back? You know, making sure you don't become too powerful? Why would you say that? Well, Kyle doesn't seem to really foster my talents. I've gone on a couple of missions with him, but doesn't let me do any of the really important stuff. Hmm. Maybe he's observing you. You know, seeing how you accomplish your missions. I wouldn't worry about it. I'm not so sure. What do you think, Jaden? Well, I... Ready to get back out there? Did I interrupt something? No, not at all. Well, I'm ready. Let's go. Ce clonage d'Anakin, je te jure. Vous savez quoi? Est-ce qu'on va se taper toutes les missions? Je pense qu'on va se taper toutes les missions parce que ça va nous donner plus de points d'expérience et tout ça. Mais je regarde l'heure là et on s'approche quand même de la fin d'un épisode plutôt pas mal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là. Je pense, ça me semble être une chose tout à fait acceptable. On va s'arrêter là, j'ai beaucoup galéré quand même pour arriver jusque là, donc voilà. Je vais vous... Alors, où est-ce qu'on va aller? On va retourner sur Tatooine. Donc je vais commencer la mission sur Tatooine. Vous savez quoi? Voilà, ce qu'on va faire.
Je vais commencer la mission sur Tatooine, on va voir la cinématique de Tatooine, et on va s'arrêter pile au début de la mission sur Tatooine, comme ça je vous retrouve là pour la prochaine fois, ok? Allez, on fait ça. Ok. This should be a total blue milk run, kid. But it'll give you a chance to pick up some negotiating skills. Let's head to Tatooine. Show me alone. Faisons cela. Alors, qu'est-ce qu'on va améliorer? Bah, j'ai amélioré ça parce que quand même, quand je me bats face à un site, je m'en prends plein la gueule. Jawas, never around when you need them. Tracks, maybe they've already come and gone. Go see if you can find their sandcrawler. They might have stopped in that canyon. I'll talk to the moisture farmers, see if they know anything about this cult. All right. Don't worry, Jawas are pretty friendly. Les Jawas, oui. Les autres, non. Du coup, on va se retrouver... Okay. On va se retrouver la prochaine fois donc sur Tatooine, où nous allons partir à la recherche des Jawas. Sur ce, je vous dis à très très vite, à très très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Ok. Alors, je vais juste le régler ça, parce que sinon les mecs ils vont me massacrer. 30 secondes. Voilà, c'est mieux. Bien. Putain, tu meurs! Ça aura juste pris 30 ans, mais bon, ça. Ok. Donc, on va se remettre là. Voilà, merci bien. Et donc, je disais. Je vous dis à très très vite, à très très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, au Facebook, au Twitter et de venir sur notre Discord si vous en avez envie. Hein. La communauté grandit chaque jour grâce à vous tous. Pour ceux qui seront à la Comic-Con de Londres fin mai, on y sera également. J'y serai avec Carboom. On est en train d'attendre les derniers préparatifs pour pouvoir être sûr et certain que tout est bien en place. Mais a priori, on sera là-bas avec une table dans leur espace YouTubeur. Donc si vous venez, on sera ravis de vous rencontrer. N'oubliez pas de laisser un like sur la vidéo, de commenter, de partager. Ça aide toujours au développement de la chaîne. Et donc je vous dis... Bah, très très vite, très très bientôt, on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Jedi Academy. Allez, ciao !